Voilà. Donc, Radio Cluny. Oui. L'émission s'appelle En attendant Sonia Roland. Ah. Avec la présence exceptionnelle de Étienne Mouleron. Exceptionnel. Voilà, exagérons pas, mais merci beaucoup. Alors, comment allez-vous? Fort bien, fort bien. Même si je sors de la pharmacie, c'est pour un entretien mensuel, mais ça va bien. Oui, c'est pour une idée de routine. Oui, voilà. Okay, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité, mais je n'ai jamais été aussi actif que depuis que je suis retraité. Okay. J'ai écrit quelques livres et puis je travaille sur un projet, mais ça fait 14 ans que je travaille, de construction du musée d'humour. Car dans ce pays où, étonnamment, il n'y a pas de musée d'humour, il y a quand même un patrimoine qui est prestigieux et que je considère non partagé essentiellement, et seul un musée, enfin, qui ne s'appellera pas vraiment un musée parce que l'humour n'aime pas être enfermé dans un musée, mais plutôt une maison de l'humour. D'accord. Je cherche un lieu, donc je parcours différentes villes, sans jusqu'à présent l'avoir trouvé, mais des pistes sont plus ou moins se précisent. Mais hors Cluny. Oui, puisque Cluny, manifestement, n'a pas manifesté un intérêt. Okay. Bon, mais je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a, entre autres, cette prestigieuse abbaye, enfin, dis-moi ce qu'il en reste, qui ne souffrirait peut-être pas vraiment la compagnie d'un musée d'humour. Or, l'humour, c'est plus sérieux qu'il n'y paraît, et on ne plaisante jamais avec. Donc, Cluny, non, malheureusement. Alors, pour l'instant, j'ai une piste intéressante sur une ville du Limousin, qui n'est pas proche d'ici, mais qui est symbolique pour moi, puisque c'est là que je suis allé remettre, il y a 2 mois, le prix d'humour de résistance pour la 13e année, et qu'on a remis aux frères de Pierre Desproges, pour les fêter les 30 ans de la fin de son cancer. C'est comme ça qu'il évoque, qu'on évoque sa mort. Et donc on l'a remis dans un lieu qui lui était cher, c'est une grande maison familiale où sa grand-mère tenait une mercerie. Et c'est là que donc, peut-être un jour, j'ai eu mort. Ah d'accord. C'est en discussion. C'est en discussion. Voilà. Okay. Donc, rien n'est fait au combien, mais enfin, j'ai eu de bons contacts fréquents avec le maire qui semble intéressé par ce projet, mais c'est sûr que c'est un projet un peu lourd à construire, donc il faut faire intervenir non pas tellement des partenariats publics parce que l'argent n'est pas tellement là, mais surtout essayer de construire toute une pépinière, comme je les appelle, d'entreprises auxquelles ce musée pourrait s'adosser et qui financerait en quelque sorte en partie ce musée. Alors je pense dans le domaine de l'édition, je pense évidemment qu'il y a de quoi faire, dans le domaine de la communication, du marketing, de l'événementiel, et j'en passe bien d'autres. Je pense qu'il y a toute une industrie de l'humour qui pourrait se développer, comme elle existe d'ailleurs au Québec, et elle est florissante. Oui, c'est ça. Comment vous expliquez ça, qu'il n'y ait pas... On a privilégié plutôt les... Parce qu'on a, l'idée, c'est qu'on a quand même des stars du rire. Oui, absolument. Que ce soit présentes ou passées. Oui, complètement. Alors passé, on a vraiment largement de quoi faire, ne serait-ce qu'en dessin d'humour, il y a de quoi remplir des salles et des salles. En auteur, en homme de théâtre, en tout ce qu'on veut, il y a vraiment de quoi faire. Et puis il y a aussi maintenant toutes les expressions de l'humour au travers de choses beaucoup plus sérieuses, comme l'accompagnement en fin de vie, les soins palliatifs, l'humour en entreprise, enfin, je pourrais vous en citer bien d'autres. Et donc voilà, c'est tout ça qui aurait sa place. Alors pourquoi la France n'a pas vraiment développé cette industrie, je ne comprends pas très bien, mais j'en vois entre autres une des raisons dans le fait qu'il semblerait que ait été privilégié justement l'humour sur scène. D'accord. Mais l'humour sur scène, c'est très bien. Il y a vraiment un bon panel d'humoristes. Il y en a peut-être un. Bon, enfin, ça c'est subjectif aussi. Mais je pense qu'on n'a pas assez réfléchi sur aussi ce que l'humour est possible. Les Québécois ont bien de l'avance. Ils ont une école nationale de l'humour qui existe depuis bien longtemps. C'est vrai qu'ils avaient un musée d'humour. Une école nationale de l'humour, oui, qui forme des humoristes, mais qui sont vraiment des humoristes bien formés et qui ont de la structure. Parce que c'est vrai que parfois, l'humour ici est exploité un peu. Mais est-ce que l'humour s'apprend à l'école, à votre avis? Je pense que l'humour, on a ça en soi. D'accord. Le bébé rit déjà pratiquement à peine sorti du ventre de sa mère, mais on peut se former aussi à l'humour et l'école peut avoir son rôle parce que l'humour, c'est bien autre chose que simplement se raconter une bien bonne sur les blondes ou du bistrot. C'est ce que j'appelle une attitude en fait, par rapport à la vie. C'est-à-dire qu'on a 2 seules certitudes dans ce monde, c'est qu'un jour on est arrivé et quelques peu de temps après, on va repartir. À quoi bon donc trop s'en faire? À quoi bon se prendre au sérieux? Et pourquoi ne pas développer beaucoup plus notre relation à l'autre avec moins de sérieux et beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus
d'altruisme, et je pense que le monde irait mieux, et c'est pour ça que je considère que l'humour, sinon, s'il sauvera le monde, L'humour réduit les tensions sociales ? Mais complètement, mais bien sûr. Réduit les distances, réduit tout ça. Tout à fait. Mais des fois, les conflits, évidemment. Mais ça peut peut-être en créer de temps en temps. Il faut bien le maîtriser. Alors l'humour, ça peut être une arme, c'est ça ? Oui, ça peut être une arme, mais une arme de reconstruction. J'évoquais du prix d'humour de résistance. Ça fait 13 ans qu'on le décerne à des gens qui n'ont souvent eu que l'humour pour unique secours, pour reprendre la phrase de Brel, pour lutter contre la maladie, contre l'oppression politique, contre le handicap, et que sais-je encore. Donc c'est une arme effectivement de reconstruction, mais ça peut être une arme un peu aussi, si elle est mal utilisée, qui peut faire mal. Et il s'agit peut-être... Tu peux appuyer là où ça fait mal. Voilà, il s'agit peut-être un peu moins d'humour à ce moment-là que d'ironie, que de méchanceté. Or l'humour, c'est une simple fortuitude de langage, mais j'y ai vu, moi, la contraction de deux mots qui sont quand même essentiels, l'amour et l'humain. D'accord. Quelle est la différence entre un comique et un humoriste ? Un humoriste n'est pas nécessairement drôle. Moi, je ne me considère pas ni comme un comique ni un humoriste. Je travaille là-dessus depuis très longtemps. Mais je pense qu'un comique est quelqu'un qui exprime, qui tente essentiellement, et qui souvent y réussit, mais peut-être pas toujours, à exprimer l'humour sous toutes ses formes. L'humoriste est quelqu'un qui est plus, qui a plus de recul et qui réfléchit plus, à mon avis, à tout ça. Puisque vous parlez de Sonia Roland, c'est intéressant de noter que il y a, comment dirais-je, un comité de soutien à ce projet, et que Sonia Roland... Ah, on fait partie, oui, d'accord. Bien sûr. Et... Donc vous la connaissez ? Ah oui, je la connais bien, okay. Oui. Elle est venue d'ailleurs il y a quelques années, quand j'ai fait une présentation de ce projet, elle est venue spécialement lui apporter son soutien, et considérant qu'effectivement ce projet avait sa raison d'être, parce que je ne l'ai pas dit, mais il existe une dizaine de musées d'humour de par le monde, et le plus important se trouve en Bulgarie, à Gabrovo, sur 8 000 m² et 3 étages. Vous avez tout ce que l'humour peut savoir exprimer. J'imagine que ça doit révéler d'une société, savoir s'ils ont des musées de l'humour ou s'ils n'en ont pas. Peut-être, oui, effectivement. Alors la Bulgarie est un pays de l'Est, comme chacun sait, qui a eu affaire à son grand frère et qui en a souvent souffert, et aussi à d'autres tribulations d'histoire. Et je pense que justement, ces gens-là ont développé, par rapport à l'humour, un outil de résistance aussi. Ah oui, d'accord, vous pensez que c'est lié aux tensions géopolitiques ? Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais je pense que c'est sans doute lié, effectivement. Ok. Prochaine question. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ? La situation du monde en général. C'est okay. Évident que si vraiment on ne s'arrêtait qu'à ça, il y aurait de quoi s'asseoir sur le banc et se mettre à pleurer. Parce que quand on voit ne serait-ce que les problèmes de la migration qui ne sont absolument pas pris en main par les politiques en particulier, dont chacun se frotte un peu les mains en passant le bébé chaud à l'autre, alors qu'il y aurait vraiment de quoi faire, mais à l'échelon mondial en particulier. Donc ça, c'est une raison, surtout qu'on en est sans doute qu'au début de l'histoire, et des gens beaucoup plus sérieux que moi le prétendent et l'affirment même. Donc ça me préoccupe bien. Alors tout ce qui concerne la nature qui est bousillée de manière éhontée, et entre autres par les grandes industries, qu'elles soient pétrolières, pharmaceutiques, etc. Là aussi, c'est inquiétant. Bon, les guerres, évidemment, il y en a toujours eu, mais il y en a, je trouve, un peu plus. Donc voilà, il y a de quoi. Vous pensez qu'il y a de plus en plus de guerres ? Oui, je pense qu'effectivement, on se bat de plus en plus, parce que les intérêts, l'argent est tellement jugé essentiellement. On monte les tensions, c'est ça ? Oui, certainement, bien sûr. Avez-vous un but dans la vie ? Oui, c'est de construire ce musée d'humour. Ok, d'accord. Saint-Augustin a dit qu'il vaut mieux se perdre dans ses passions que de les perdre. Ouais, donc moi, je préfère me perdre dans cette passion, et je pense qu'il faut aussi... J'évoquerai une deuxième citation, parce que ce sont les deux citations qui m'aident parfois, parce que c'est vrai que, comme tout le monde, de temps en temps, je peux un peu me décourager, ou du moins me remettre en question, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La deuxième citation que je voulais faire, c'est une citation du prince de Guillaume d'Orange, qui a dit « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Moi, je persévère, je poursuis mon chemin. Et puis, comme l'abbaye, celui qui a mis la première pierre pour construire l'abbaye, n'a jamais vu... Imaginez à quoi ça allait être. C'est quand même quelque j'espérais, chose. Mais peut-être qu'il s'est dit... Moi, je suis un peu dans cet esprit-là. Mais j'espère quand même, peut-être, si on me prête encore un peu vie quelques temps... aboutir enfin ce projet de maison du Avez-vous une phobie
J'ai entre autres la phobie, mais enfin là je rebondis, je ne vais pas y arriver, mais je n'imagine pas à ce l'instant. La phobie, oui, c'est que ce monde aille de plus en plus mal, et que ce monde qui va quand même, qui est pas loin des murs parfois, se fracasse et explose, parce que il y a beaucoup de choses qui malheureusement il pourrait y contribuer. Donc comment faire pour rendre le monde meilleur? Je pense que d'abord il faut réfléchir sur soi-même et chacun se remettre en question justement, et chacun porter sa petite pierre à l'édifice, parce que personne n'est parfait évidemment, et je pense que si on commence par là, on ne va pas tout régler comme ça bien sûr, mais on réglera peut-être un peu déjà un certain climat, une certaine ambiance, et les gens seront plus ouverts aux autres et seront plus à l'écoute des autres, et je pense que ça peut largement contribuer, pas tout totalement, mais ça peut largement contribuer à ce que ça aille peut-être un peu mieux. Dans quel domaine dépensez-vous sans compter? Dans le domaine de l'humour. Ah, d'accord. Mais pas nécessairement de l'argent, parce que l'humour n'est pas réduit à ça. Non, bon, j'aime bien. Enfin, surtout du temps. Oui, il faut entre autres du temps, de la passion, et puis aussi de la chance et de belles opportunités. C'est ce que j'essaie de faire en ayant tissé depuis pas mal d'années maintenant tout un réseau. Bon, je parlais de Sonia Roland, mais je pourrais en citer plein d'autres, de gens qui sont un peu connus, et c'est pas en soi parce qu'ils sont connus qui m'intéressent, mais parce qu'ils sont représentatifs. Enfin, je pense à François Morel, par exemple, qui est quand même quelqu'un. On parlait tout à l'heure de la différence entre les comiques et les humoristes. Je pense que lui est plus un humoriste qu'un comique. Il est aussi bon comique. François Rollin, qui est également quelqu'un. Et puis bon, tous des gens comme ça, et c'est vrai que c'est grâce entre autres et avec l'aide de ces gens-là que peut-être, sans doute, j'y arriverai. Mais d'où vous vient cette passion de l'humour? Elle me vient d'abord de mon père, qui était un grand humoriste, mais un quelqu'un de très sérieux pour autant. Et qui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Et l'humour, c'est beaucoup plus sérieux encore une fois qu'il n'y paraît. Et il m'a tout petit mis ça un peu dans la tête. Et je me sentais très proche de lui. Et puis par ailleurs, de manière plus récente, sans m'étendre de manière larmoyante, bon, comme tout le monde, j'ai eu mes certaines difficultés de vie et certains passages un peu brutaux et rudes. Et à un moment donné, j'avoue que je me pose un peu la question de l'utilité de continuer à marcher dans cette vie. Et que, voilà, ça a été une béquille pour vous? Ça a été plus qu'une béquille. Plus qu'une béquille. Je dirais même que l'humour m'a sauvé la vie. En fait. D'accord. Et quand j'ai vu le train passer, j'étais content de le voir passer, pas sur moi. Mais donc l'humour m'a sauvé la vie. Je suis rentré, c'est Jean-Pierre Mocky. Il m'a dit ça quand il est venu recevoir son prix d'humour de résistance je ne sais plus quelle année, enfin il y a une dizaine d'années, et qui m'a dit, tiens, Étienne Mouleron, il est rentré en humour comme d'autres sont rentrés en religion, et j'ai trouvé ça bien vu et bien juste. Et donc, je considérais être rentré en humour comme en religion, et d'ailleurs on pourrait en parler longuement, il y a quand même quelques similitudes, quelques relations entre ça, mais bon, on n'est pas là pour prêcher. Mais enfin voilà. Mais concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes raccroché justement à l'humour? Je vous dis, à ce moment de... À quel moment vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait s'accrocher? Eh bien, quand j'ai eu ce moment de découragement profond, et que je n'ai pas commis l'irréparable, entre autres parce que j'ai deux fils et que ce n'était pas un beau cadeau à leur faire, je me suis rendu compte qu'un signe peut-être du ciel, m'était tombé dessus, enfin m'avertissait que voilà, c'était là ma voie. Moi j'ai travaillé essentiellement dans l'édition et à ce moment-là j'étais pratiquement retraité et je me suis dit, voilà un bon chemin à côté de celui que je fais, qui consiste à écrire des livres et en particulier des livres sur l'humour. Mais là j'en termina sur l'humour façon handicap justement, l'humour au service du handicap. On constate que là aussi, l'humour peut être très efficace. Prenons deux exemples. Filippo Pozzo di Volvo, le monsieur qui a servi de modèle au film Les Intouchables, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a un humour étonnant et un humour de résilience, et pourtant il est paralysé, tétraplégique depuis 30 ans, alors qu'il avait tout pour réussir. Et le deuxième exemple, c'est que Philippe Croison, qui sans bras ni jambes franchit l'Atlantique à la nage, fait le Paris-Dakar et il pêche et est reconnu. En fait, il y avait trois choses qui l'avaient sauvé dans la vie. L'humour en particulier, l'amour et les autres. Voilà. Possédez-vous un bateau? Non. Je ne suis pas spécialement marin, mais... Et si vous en aviez un, quel nom vous lui donneriez?
je lui donnerai le nom d'Alphonse Allais. D'accord. Le prince des humoristes, parce que pour moi, il représente vraiment la quintessence de l'humour. Mais j'aurais pu lui donner le nom de Rabelais aussi. Mais, voilà, un nom, un de ces noms-là d'auteur, effectivement. Très bien. Qu'est-ce que nous ne savons pas à votre sujet? Ce que moi-même, j'ignore. Ah, d'accord. Et puis bon, j'ai, comme tout le monde, un peu mon jardin secret, et je n'ai aucune raison de dévoiler, parce que ça m'appartient et que ça ne m'intéresse pas les autres. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un petit truc... Moi, ma vie se résume vraiment à l'humour et l'amour, donc voilà. Okay. Que feriez-vous en premier si vous étiez une femme? Eh bien, j'aimerais les hommes. Mais je tâcherais de donner la vie. C'est quand même important, et c'est un de leurs rôles et une de leurs fonctions, bien sûr pas la seule, et pas toute seule non plus. Je pense que voilà, c'est un peu ça. Qu'avez-vous appris récemment que vous auriez aimé savoir plus tôt? Qui j'étais? Alors je ne dis pas que je sais exactement qui je suis, mais je pense maintenant avoir acquis un tout petit peu de sagesse et de connaissance de moi. Et je pense que j'ai mis très longtemps à l'acquérir, parce que je n'y ai pas pensé beaucoup et que j'ai vécu comme ça. J'ai traversé un peu la vie un peu sans y penser, et maintenant j'y ai beaucoup réfléchi. Et je suis en train d'ailleurs de terminer un autre livre qui est un peu le bilan autobiographique, mais qui est un peu ce cheminement-là. Et oui, c'est ça que... Vous avez quelque chose en particulier, quelque chose que vous vous êtes dit, tiens, si j'avais su ça avant? L'amour était plus important que tout, et qu'il fallait en avoir conscience en permanence ou presque. Et en quand on l'a ou quand on ne l'a pas, mais... Voilà, exactement. On l'est ou qu'on ne l'est pas, mais quand on ne l'a pas, essayez de l'avoir, parce que je pense que c'est vraiment essentiel, et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à ce monde qui ne va pas très très bien, par rapport notre relation à l'autre, qui n'est finalement pas toujours très, très saine et très bonne, alors que vous êtes comme moi, vous avez vos soucis, vous avez parfois vos petits problèmes d'estomac et que sais-je, et on n'est pas assez à l'écoute de l'autre, on est trop à l'écoute de soi-même, et c'est pas nécessairement... Et vous pensez que vous aviez sous-estimé ça? Je pense, oui. J'y avais même pas souvent pensé. Ah, d'accord. Jusqu'à se rendre compte de l'importance que ça a. Voilà, exactement. Quel est le meilleur conseil pour réussir? Y croire, de la persévérance, de un peu de chance, bien sûr, et surtout aussi, enfin pas aussi, surtout, mais aussi tenir compte des autres et ne pas vouloir les écraser à tout prix, parce que je pense que la réussite, c'est pas réussir tout seul à tout prix, non, c'est réussir en particulier avec les autres. Pas forcément matériel, enfin... Non, je crois que... on a tous besoin d'argent, bien évidemment. L'argent permet évidemment bien des choses, mais c'est pas le but final, parce que Alain seul n'a pas de poche, et quand nous repartirons tous, on repartira sans rien, donc c'est pas très important. Mais je suis... vous me demandiez ce qui me plaît bien, faire un bon restaurant avec ma belle, c'est merveilleux, il faut les moyens, et partir en vacances, c'est super, mais il faut des moyens, donc... Encore, moi, je me plains pas, je suis pas trop mal loti, mais quand je vois aussi toute la misère du monde, il y a aussi de quoi s'en préoccuper, et sans même s'en occuper. Quel est votre outil de travail? Mon cerveau et ma main qui tient mon crayon. Voilà. Quelle est la différence entre un bon artiste et un mauvais artiste, pour vous? Bonjour. Un bon artiste et un mauvais artiste. Qui se fait qu'à un moment donné, vous dites ça? Je crois que c'est assez subjectif, en fait, parce qu'il peut y avoir d'abord des bons artistes qui sont totalement méconnus. Il peut y avoir... Oui, je crois que c'est une question subjective, mais c'est quelqu'un qui vous touche au profond de vous-même et au niveau de valeur auquel vous êtes. Mais vous, qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites « ça, c'est un vrai artiste » ? Question un peu difficile. Encore une fois, qu'il exprime des valeurs humaines. Okay. Le côté humain. Oui, c'est essentiel. On peut être très bon dans un domaine si c'est un peu superficiel, c'est ça? Oui, même si c'est un peu gauche, ça peut. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est qu'il veuille exprimer et qu'il exprime déjà. Exprimer, je trouve que c'est quand même important,
et qu'ils veuillent partager aussi. Et c'est quand même le but de l'art. Quelle question aimeriez-vous qu'on vous pose plus souvent? Bonjour. Quelle question Quelle question? Comment vas-tu? Je crois que c'est déjà pas mal, effectivement, parce que ça dépend aussi de la manière et dans quel état d'esprit on la pose, mais si on me dit comment vas-tu, comme si on me disait tiens demain il va faire beau, ça me touche pas trop, mais si je sens chez quelqu'un quand il me demande comment je vais, si vraiment c'est l'ensemble de la manière d'aller qui importe en ce moment-là. C'est pas forcément la question, c'est plus l'intention. Oui, mais là aussi, effectivement, bien sûr. Si vous deviez choisir entre le sexe et l'argent, il n'y a pas d'autre choix. Je dirais plutôt l'amour, mais qui revient sur le sexe, parce qu'un amour sans sexe, c'est insuffisant et on reste sur sa part. Et puis le sexe, c'est bien autre chose que de copuler. Hein. C'est pas détendre, c'est un don de soi, des choses comme ça, mais c'est un partage, c'est un échange. Et c'est comme ça qu'il est réussi, et c'est comme ça qu'on jouit. Enfin, l'expression, et seulement comme ça, mais donc bien sûr le sexe, mais le sexe essentiellement lié à l'amour. Vous avez pensé à une épitaphe? Je vais revenir à l'humour. Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. D'accord. Oui, il y avait une citation de La Rochefoucauld qui disait celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Oui, en particulier, oui, voilà, c'est ça. Et moi aussi, celle que je viens de vous donner, oui, ce n'est pas nécessairement celle que je mettrais, mais l'arbre et le pourquoi, c'est dans cet esprit-là, okay. Effectivement. Ouais. Okay. Très bien. Eh bien, l'émission se termine. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps de me poser ces questions. Exactement. Ça fait toujours du bien de réfléchir sur soi-même. Sur différentes choses. Exactement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'émission se termine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'émission ou si vous désirez être sponsor de la radio. Alors, sponsor, moi, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais si je peux vous aider, moi, je suis plus que disposé à vous faire quelques projets. J'ai d'ailleurs quelques idées en tête, justement, sur une radio qui serait bien sûr liée à l'humour, mais une sorte de biais d'humour, hebdomadaire, c'est quelque chose qui me plairait bien, un peu dans l'esprit de la minute de Monsieur Cyclopède, non filmé, de Pierre Desproges, mais... Voilà, c'est le genre de choses que je sais faire et qui me plairait bien. Eh bien, si vous avez les moyens de le faire, de vous enregistrer, alors, si possible en vidéo, mais ça c'est pas obligé, puisque c'est une radio. Oui. Mais vous pouvez nous le faire parvenir et on le diffusera sans aucun problème. Pas très bien, écoutez, avec grand plaisir et grand intérêt. Laissez-moi une semaine ou deux parce que là je vais partir, avec grand plaisir. Mm-hmm. Mais comment je vous le fais parvenir Radio-Cluny.fr. Radio-Trédunion du 6 Voilà. D'accord. Très bien. Vous voulez que je vous donne ma carte J'ai votre contact Facebook. Voilà. Et vous, votre nom, c'est Sylvain Vasseur. Ah, c'est vous, Sylvain Vasseur. Je suis content de le voir. Très bien. Merci. Je ne vais peut-être pas partir avec le micro, si vous risquez de C'est ça. Bah, c'est bien, mais vous pouvez interviewer comme ça les gens qui. Oui, c'est ça. Mais ça m'intéresse aussi. Ça. C'est une belle démarche que vous faites là, je trouve. J'essaie de. C'est compliqué entre les personnes qui veulent. Oui. Celles qui peuvent, celles que j'aimerais, c'est compliqué. Oui, c'est sûr que c'est pas facile, évidemment, parce que je comprends, enfin moi je dis pas que j'ai l'habitude du micro, mais enfin j'en ai fait quelques-uns, mais je comprends que le quidam qui passe dans la rue, un micro... Il y a des gens qui sont extrêmement intéressés, donc c'est ça, j'essaie de trouver un mélange entre personnalité et puis... et personnalité, c'est dans le champ... sens large du terme. Oui, je comprends bien. Oui, il ne faut pas nécessairement avoir sa photo dans le journal pour. L'idée de Sophia Roland, c'est un peu un clin d'œil. C'est une sorte de but inatteignable, mais l'idée, c'est de trouver des gens avec qui partager un moment. Si un jour vous voulez qu'on fasse quelque chose avec elle, moi je peux vous mettre en contact sans problème. Pour l'instant,
l'instant, c'est un peu tôt. Les émissions viennent juste de démarrer. Oui, 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 non, ça, mais. Parce que sinon, il faudrait que je trouve un autre. Je compte pas quitter ce monde tout de suite. On a un peu le temps, c'est pas la question. Bien sûr. Mais sinon. Mais en tous les cas, le billet d'humeur, si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi une manière de continuer à parler de cela et de faire connaître, et bien avec grand plaisir. C'est ça. Donc le format, c'est libre. Mm-hmm. J'essaye, c'est un format long, c'est une émission hebdomadaire, mais ce que j'essaye de faire d'habitude, c'est une émission qui est de la durée d'une chanson, c'est-à-dire 3 minutes, 3 minutes 50, 4 minutes, mais c'est en fonction, c'est à loisir. D'accord. Je vais y réfléchir et puis je vous ferai quelques propositions. Ok, parfait. Avec grand plaisir. Voilà. Et à très bientôt, Sylvain. Merci beaucoup. Au revoir.